Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir mes calendriers d'avant. Donc, comme j'ai foiré, j'ai fait le 19 et le 20 alors qu'on était le 19 et qu'on n'était pas le 20. Donc, si vous avez regardé la vidéo précédente, vous avez compris qu'Albin n'était pas encore bien réveillée. Donc là, je vais ouvrir du coup le 18 et puis le 21. Parce qu'on est le 21, aujourd'hui, je ne me suis pas trompée. Et du coup, le 18, il n'est pas ouvert. Alors, je vais commencer par qui? Allez, Marie, elle était devant moi. Le 18. Bon, déjà, on va prendre le 18 dans les chocolats. Alors, une petite bouboule en chocolat. Merci. Alors, je suis gâtée de chocolat. Hop, et nous avons l'indice du calendrier qui nous dit... Sur ce joli petit sapinou, avec un bon plaid, c'est parfait. Avec un bon plaid, c'est parfait. Donc j'ai une belle petite épingle avec un petit patin. J'aime beaucoup. Avec un petit plaid, mais Albin et ses plaids, mais c'est une longue histoire d'amour. Alors on a une belle enveloppe rose. Oh là là, du thé. Moi et ma passion des thés. J'adore. Alors on a apple cinnamon, c'est pomme cannelle. Chai, un thé noir. Lavande Earl Grey. Oh, c'est original ça. Lemon ginger, c'est citron gingembre. Spicy apple orange, pomme orange épicée. Et amande cerise. Almond cherry. Et c'est une marque de thé que je ne connais pas. Becky's from Holland. Bon ben, je vais pouvoir me faire un petit plaisir de thé. Merci beaucoup Marie. Bon, j'adore le thé. Oh là là, je suis une fada de thé. Limite, je préfère boire du thé que boire l'apéro. Pour vous dire. Je plaisante. Alors, le 21. Donc, c'est aujourd'hui, mercredi. Le jour des enfants, mais moi, je travaille. Pas envie. Voilà, j'ai juste envie de rester sous mon plaid et de scraper. Hop. Alors, donc 21, on a une autre petite bouboule au chocolat. Pour ton sapin. Mais cette année, je n'ai pas fait de sapin. J'avais pas du tout envie, comme on n'est pas à la maison, que je travaille à Noël et tout, j'ai pas mis de sapin. Donc comme j'ai pas d'enfant, bah j'ai pas mis de sapin non plus. Alors, pour le 21, oh, j'ai un cheveu de toi Marie, je vais pouvoir te retrouver avec ton ADN, attention. Alors, c'est trop choupi, c'est une boule de Noël en bois, avec de la moumoute. Ah c'est joli. Là, ça n'ira pas dans mon sapin, mais ça va aller... En fait, j'ai un genre de grande branche tournicotée avec des petits crochets. Et dessus, je mets des petites décos. Et bien, ça va aller dessus. Et ça va pile poil dans ma déco de salon qui est un peu rose comme ça. Il y a du bleu canard, il y a du moutarde. Ouais, j'ai une déco un peu colorée. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Je vais aller le mettre de ce pas. C'est mon petit crochet. Super. Bon, ça, je garde pour mes emballages. J'ai un bordel sur mon bureau, vous ne pouvez pas savoir. C'est la cata. Et puis, il manque les fêtes se terminent parce que il y en a de partout. Je ne retrouve plus rien. Il y en a de partout. Bref. Allez, passons à Mimi. Avec le petit barbu. Alors, Mimi, le 18. 21, bon, il est là, je le saurai. Donc, le 18, il ne va pas être là. 7, 14, 22, 22. Non. Ici, 11, 17, 6, 13, 24, 4, non, et ben ce sera le dernier. 1, 19, 10, 23, 15, et... Ah ben non, elle va rater Albin. Ah, c'était le premier. 5, 3, 16, 12, 18, le voici le Walou. Alors... Okay. Qu'est-ce qu'on a là-dedans de beau? Alors, on a... Oh, c'est bien ça, pour... c'est des trucs pour encercler les perles. Vous voyez? Pour mettre d'un côté l'autre de la perle. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est parce que j'ai pas envie de l'ouvrir pour pas les perles. Donc, c'est des socles à perles, en fait. Ah, c'est top, j'en ai aucun de ça. Trop cool. Oh, tu vas gâter pour faire des bijoux, c'est trop top. Et là, oh, trop bien. On a... un petit éléphant en argent et un petit cœur trop beau aussi. Attendez, je vais faire la mise au point, on voit rien. Voilà, là on voit mieux.
Trop beau. Merci beaucoup. Alors, dans les breloques. Et le 21, du coup, il était en premier. Le voilà. Alors, on va essayer de ne pas tout découper. Ouais, l'année prochaine, je ferai le système là, avec ma petite machine que j'ai achetée là, qui fait les rainures. C'est vachement pratique quand même. Pour ouvrir les petites pochettes. Enfin, si je refais les calendriers, parce que j'ai envie de faire... J'ai envie de faire plus de tutos, de machins, et passer moins de temps à faire des échanges. Mais bon, on dit toujours ça, puis finalement, on le fait pas. Alors, en breloque, j'ai 3 petites breloques trop mignonnes. 4 petites breloques, pardon. Ah non, 3, mais il y en a une qui s'est décollée. Bon, c'est pas grave, je vais la recoller. Alors, sur celle qui s'est décollée, donc c'était un petit... des petites pastèques. Je sais pas si vous allez voir, la mise au point, elle se fait pas bien. Ah, zut! Chiant ça. Bon, c'est des pastèques. On a un love en doré et on voit rien, hein, décidément. Ça, je vais la recoller. Ah bah, ils se sont toutes cassées en fait. Bah, désolé, Mimi. Pourtant, j'ai pas été brutale. Donc, je vais les recoller. Donc, là, on a un flamant rose et puis là, un love. Qui a deux trucs, le love. Marrant. Il y a deux ronds. Merci Mimi, je vais les recoller, t'inquiète, c'est pas grave. Et ici, on a des petits trucs en plastique, des petites décos. Petites étoiles, des petites fleurs, des petits cœurs. Oh, c'est cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, ça, c'était pour Mimi. Et on passe à Galou. Alors, Galou, le 18. Il va être là, du coup. 18, il est là. Le voici, le voilà. Dans ce joli calendrier. Hop là. Tac. Alors. Oh, chouette. Donc, on a encore le petit nœud de mini, là, en rose très pâle. Et puis, la petite sucette que j'aurai en toutes les couleurs, du coup. Donc, ça va aller. Donc, les sucettes avec la sucette. Et le petit nœud avec les autres. Ça se garnit bien hein, tout ça. Voilà. Et le 20. Donc 18, 19, il va être là. 17 et 20. Ah bah non. C'est le 21 du coup. Bah oui, je suis bête. Oh là là, je suis décalquée mon téléphone. Parce que j'ai dit 18 et 21. Faut suivre Albine. Hein. 21, le voilà. D'ailleurs, il faut que j'en mette ma pochette du 18 dedans. Et le 21, nous avons. Oh! Nous avons donc. Hop! Le 21. On le met là. Tac! Nous avons un petit oiseau bleu et une petite fleur noire. Très jolie. Alors, est-ce que j'ai déjà des petites fleurs? Ben non. Ah non, j'ai pas de fleurs. L'oiseau, il va aller où l'oiseau? Avec le pingouin, pour faire les animaux. Puis la petite fleur, bah, je vais la mettre... Ah si, il y a des petites fleurs là. On va mettre avec ça. Merci beaucoup. Vous avez encore été bien généreuse. Je vous remercie énormément. Voilà, voilà. Donc ça, je vais ranger. Et je voulais juste vous montrer ce que j'avais reçu. J'ai eu des surprises dans la boîte aux lettres. Donc je voulais vous faire voir ce que j'avais reçu. Alors... J'ai reçu de la part de Patricia. Donc Patricia, c'est My Love Scrap. Elle m'a envoyé une très jolie carte. Doux moment à partager ensemble au coin du feu. Très belle. Avec une petite déco au bois. Ça doit être du Florilège Design, je pense, la collection. Puis une belle découpe en rose gold pailleté. Très très jolie. Enfin, rose gold ou cuivre, je ne sais pas trop, mais elle est très belle. Merci beaucoup Patricia. C'est super gentil d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup. Et j'ai reçu également une très belle carte pop-up avec le système de carreaux là, de la part de Métite Créa. C'est ma petite cri-cri. Je sais, elle déteste qu'on l'appelle comme ça, mais c'est Christine. Métite Créa sur Insta. Et elle m'a envoyé une très très belle carte pop-up que je trouve superbe. Ça, c'est les die-cut de chez Action, mais ils font un effet waouh. Donc, je te remercie beaucoup, Christine, franchement, d'avoir pensé à moi. Ça me fait super plaisir.
Moi, cette année, j'ai pas tellement eu le temps d'honorer, mais enfin, j'aurais aimé envoyer des cartes un peu à tout le monde. Mais à tout le monde, on ne peut pas faire pour tout le monde. Donc, je m'en excuse d'avance. Je rattraperai mon retard un jour, peut-être, si j'ai le temps. Bon, allez, voilà. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à très bientôt. Ciao!